Salut tout le monde, c'est Didi New Walker, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, on va se faire l'unboxing du coffret collector de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm. Voilà, c'est une édition PS5. Donc les amis, je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde, c'est Didi New Walker, j'espère que vous allez bien. Re les amis, donc voilà, ça y est, on se retrouve devant ce magnifique coffret collector donc de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Collection. Donc voilà, c'est la collector édition. Donc c'est une édition PS5 pour info. J'ai préféré le prendre sur PS5 pour ma part. Donc voilà, c'est une édition que j'ai pu avoir au prix de 149€ sur Amazon. Je crois 149,99 ou 149,90. En arrondissant à 150€. Donc voilà, on va faire un petit tour de la boîte. Donc voilà, vous voyez bien, juste ici, édition PS5. Donc voilà, avec une petite illustration vraiment sympathique. Du coup, là, il nous montre ce qu'il y a à l'intérieur du contenu. Donc nous avons une figurine de Naruto, une figurine de Sasuke. On a bien évidemment le jeu. On a un steelbook et on a du contenu en plus. Donc voilà, comme ça, je vous fais un petit tour de la boîte. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc franchement, il me tarde de l'ouvrir car c'est un collector que j'attendais avec impatience. Du coup, on va prendre un cutter. D'ailleurs, attention de ne pas vous couper avec ces petits trucs-là. Ça fait mal. Donc, on va... hop, retirer le blister. J'y arrive. Voilà, impeccable. Comme ça, on va pouvoir déblister ça ensemble. Voilà, franchement, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, par contre, maintenant, de quel côté... la boîte s'ouvre-t-elle? Au-dessus comme ça? C'est comme ça. Ok. Donc, la boîte se présente comme ça. Et du coup, le couvercle s'ouvre comme ceci. Donc, on va tourner pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Hop. Donc, tout d'abord, on commence avec le steelbook. Voilà. Qui est juste, je trouve, magnifique. Donc avec Naruto qui est juste là, représenté, on a Sasuke. Voilà, derrière nous avons bien le titre du jeu, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Collection, un jeu édité par Bandai Namco. Et à l'intérieur, voilà, juste une petite illustration. Donc franchement, dites dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve juste le coffret magnifique. Enfin, du moins le steelbook, excusez-moi. Ensuite, en dessous, nous avons donc le jeu, donc Naruto, donc sur la PS5. Voilà, c'est un peu l'édition ultime. Voilà, donc il est neuf sous blister. Hop. Magnifique. Magnifique. Ensuite, on va... oh, on va ouvrir comme ça. Ah bah, ok, d'accord. Alors... et ben en fait, après, on attaque directement avec ce qui est les figurines. Alors. Hop. On va mettre la boîte sur le côté. Et donc, voilà. Nous avons donc la boîte avec les figurines. Donc, Naruto and Sasuke Exclusive Figurine Set de chez Bandai. Voilà, Bandai Namco. Voilà. Donc petite boîte, voilà, standard, mais avec tout ce qu'il y a besoin de savoir, avec les illustrations donc des figurines que nous allons avoir. Alors, du coup, pareil, on va reprendre notre petit cutter
Voilà, impeccable. Est-ce que j'en ai d'autres à retirer ou pas? Oui, j'en ai un juste là. J'en ai un juste là, je crois. Ouais, c'est bon, c'est ouvert. Et j'en ai un. Voilà, impeccable. Alors, du coup, comment allons-nous ouvrir cette boîte? Ah, il y en a encore. J'ai pas tout fait. Voilà, hop. C'est du direct, hein, les amis. Donc, du coup, c'est parti. Alors, ah non, je pensais que la boîte s'ouvrait. Ok. Donc là, je vais dire a priori, ouais, nous avons deux compartiments. Ok, de toute façon, les figurines, on va les monter. Donc, hop, je vous mets ça pour que vous puissiez voir. Donc, le premier compartiment, j'arrive à... Bon, je suis obligé de tout sortir. Donc, le premier compartiment, c'est celui, a priori... Hop là. Ça, le carton, on va mettre là-bas. Donc là, nous avons... notre très cher Naruto qui est en kit. Donc on a le haut, le bas, la main et ici le socle. Alors. Écoutez, on va. J'ai envie de dire qu'on va directement l'ouvrir, les amis. Hein ? On a le socle. Au début, j'ouvre ça en douceur, mais maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Hein. Faut pas que la vidéo dure 20 minutes quand même. Voilà, je vous montre un petit peu les détails. En tout cas, franchement, en termes de coloris, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc là, on a le haut de Monsieur Naruto. Et du coup, là, on a, hop, voilà. Donc, on va essayer de monter ça proprement. Alors du coup, ah ok, voilà, et ah, c'est peut-être ça, je pense que c'est comme ça. Alors je suis en train en direct hein, d'essayer de monter ça les amis. C'est ça, a priori. On voit franchement, magnifique figurine de Naruto. Et du coup, je suppose que ça... Non, si, ça va là. Non, je sais même pas en fait. Ah si, attendez. Donc là... Si, ça va être ça. Bon, écoutez les amis, je vais pas vous embêter un peu plus. Du coup, voilà. Donc là, on a la figurine de Naruto. Et nous allons, hop, tout de suite de ce pas, contrôler la deuxième figurine. Hop. Donc là, nous avons, comme pour Naruto, nous avons Sasuke en kit. Alors, du coup, on a, c'est pareil, on a le socle. Ça, pour le faire tenir.
Ensuite, on a le bas de Sasuke. Franchement, les détails ont l'air juste incroyables. Donc là, nous avons Sasuke. Et du coup, je reprends, excusez-moi. Donc, je vous disais, là, on a Sasuke. Voilà, le haut. Ensuite, nous avons, voilà, le bas. Donc, on va monter ça tout de suite. Hop. Voilà. Et nous allons mettre le bras. Alors, comment il se met le bras? Et voilà les amis, donc nous avons Sasuke. Voilà, franchement, juste magnifique, hein. Incroyable. Et Naruto. Voilà, voilà les amis. Bon, bah, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, bien évidemment, de vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde. We'll be right back.